Alors ici, on a une ferme. Oui, une ferme humaine. Ça veut dire... Ah ben non, c'est pas le moment d'y aller. Ok. Heureusement, je t'avais donné le crédit. Alors, Cucina. Bah oui, c'est plus de porc. Donc, sandwich, tout le monde, master. Boule de riz, allez. Est-ce que tu masters la boule de riz? Non. Tu peux voir quelque chose? Ah bah c'est la ferme humaine là-bas. Allons à la maison du salut. Parce que non seulement il y a les caravanes, mais il y a aussi les maisons du salut, hein, comme d'hab. En voici une autre. Alors il y a un truc à faire au jardin de Toda, mais on va pas y aller tout de suite, ça nous évitera de faire un aller-retour et de dépenser des sous. Je vous en parlerai après. Le toutou! Celui-ci, je l'appellerai bien Caramel. Il est si mignon, Caramel. J'ai pas lu ce qui était écrit. Donc dans le doute, on lui parle. Pour quelle raison pries-tu? Pour que tout le monde soit sauvé. Toi! Oui, c'est une belle prière. La ferme! Je t'absente longtemps, mais la roulette est sympa, alors ça va. Bah oui, ça va. Alors, je m'appelle Lloyd, comment t'appelles-tu? Quoi? Lloyd? Moi c'est Colette. Je n'ai pas beaucoup d'expérience en tant qu'élu, mais je jure de faire de mon mieux pour régénérer le monde. Je ne venais pas demander vos noms! Oh, c'est vrai, je suis désolée. J'essaie de te tuer. Je sais. Mais si on discute un peu, on devrait pouvoir arriver à s'entendre. Tu entends ce que je te dis? Je t'écoute, oui, mais... Mademoiselle la tueuse, je m'appelle Shina. Ça y est, on sait son nom. Shina Fujibayashi. Shina, tu étais en train de prier. Tu étais en train. Les prières font grandir le cœur des gens. Moi aussi, je prie, alors je suis sûre qu'on peut s'entendre. Je prierai pour avoir la force de te tuer. C'est inutile, j'ai perdu ma concentration. Tu as intérêt à être prête la prochaine fois. Arrête pas de remettre ça à plus tard. Oh là là, tant de disparitions ninja dans le jeu! Ah mais tu pars pas! Ah c'est parce que... Ah bah oui, ah t'es revenu! Ah bah ouais, non mais c'est compliqué la vie. Trop de choses à comprendre. Salut! Cette coupe de cheveux, on dirait la mienne! Qu'en pensez-vous? C'est une chouette coupe de cheveux ou pas? Il est juste choqué par Lloyd. Oh là là, des gens sont apparus. Je suis désolée, mais en raison de l'absence du prêtre en exercice, les personnes ayant des services à demander sont priées de revenir plus tard. Non! Salut. Il semble que quelque chose ne va pas avec la statue du spirituel qui est exposée. Je me demande si ce n'est pas simplement mon imagination. Oh là là.
Je fais juste un petit tour. Oh, cette esquive! Ah, cette non-esquive! Don't get too comfortable. Oh non! Comment t'as tout raté, Janice? Oh, je suis empoisonné, je viens de me manger, je ne peux pas faire d'omelette. Oup. Et voilà, ça va mieux. Ça va mieux. La meilleure esquive, c'est l'attaque. C'est bizarre. Ça peut se tenir, ça peut se tenir. Je suis bloqué dans le pont. Bon, je pense que là, on a fait à peu près le tour. On va revenir par le petit chemin. Oh là là! Le petit chemin, disais-je. Oh, allez, vous vous calmez, les sauterelles! Voilà. Don't overdo it. Strike Knight! Oups. Bravo! Quel gâchis! Quel gâchis de MP! Bien! Du coup, par là, on a tout vu. Je pense qu'on est à peu près bon. Ah! Ici, j'ai pas le droit à Noich. Non! La tour du salut, elle est pas loin. Salut! Ah non! Il va me poursuivre! Ah! C'est l'autre qui a pris l'avantage! Ah! Se combattre pour me combattre! Poum! Je vais mettre un peu Rain. Alors, cuisine. Ah, master la boule de riz. Ce qui est bien quand je peux pas appeler Noël, c'est que je peux faire ça. Tout le monde se moque de ses talents culinaires, mais elle réussit bien les plats jusqu'à présent. Bon, j'arrête. Histoire de frimer avec gardien. Blame your fate.
Non. Pas envie. Pas envie de blâmer mon fat. Ça fait toujours pas effet. Don't get too comfortable. Eh ben non. Ah là là, le 8-8-8 et le 2-2-2. Et on a trouvé un couvercle. Ah, j'en ai même trouvé deux. Donc oui, hein, c'est un équipement possible. Bon, c'est moins bon, bizarrement, que mon écu en bois, mais... Toujours pas. Scandaleux. Non. Not much of a specimen. Here we go. Sonic thrust. You ready? J'ai lu estocade à la noix. Ouais, ça va, hein. Toi-même, estocade à la noix. Comment on a eu la même idée? Tu me copies, Kratos. T'es trop pas original. Non. Il était trop près, je voulais pas rentrer à la maison du salut. Salut. Je vois quelque chose là-bas. Serait-ce une pierre? Oh non, c'est un blob. This is gonna be a piece of cake. No way. Double Demon Fang! No! This is gonna be a okay. Ouais, très bien. Lloyd démarre le combat et boum! Ok, ça me va. Petit level up. C'est sur Palma Costa Nord-Est, attention. Et à Pic d'Aconesia. Très bien. Donc là, je peux. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup la musique de la map. Et hop, à partir de là, on continue à pied. C'est surtout pour voir s'il n'y a pas... Rien. Les objets ou les scénettes, parce que je sais qu'il y a des choses qu'on ne voit pas quand on est à dos de Neuch. Ah bah dis donc, j'en trouve plein des petits couvercles. Avec ça, on va avoir de quoi couvrir toutes nos casseroles pour la cucina. Pas grand chose d'intéressant dans ce coin là. Bien, allons au pic.
Alors, le taux de pourcentage avec Lloyd est donc de 99,6%, parce qu'effectivement, les pourcentages, c'est le taux de présence dans le groupe. Et à un moment, j'ai fait un groupe, quand je m'entraînais, sans Lloyd, pour rigoler, et puis voilà. Donc Lloyd n'est plus à 100% depuis. Épique d'Aconésia. Incroyable. Il fait si beau, c'est un plaisir de voyager par ce temps. Oh, je sais que c'est pour le bien de l'investigation scientifique, mais c'est dur de voyager sans cesse entre Asgard et Palma Costa. Vous n'avez pas le droit de franchir cette porte dans cette passée. Vous pouvez acheter laisser passer dans cette boutique, et vous devez en posséder un pour franchir ce passage. Quel joli coup marketing. Péchoura. Oh, si vous cherchez à laisser passer, c'est... Alors, 100 000 10 000 100 000 1 million 10 millions 100 millions de flouze par personne. Quoi? C'est quoi ce prix démesuré? C'est du vol! Si on en a, comme vous ne savez pas, du ayant. Ce qui veut dire que même ceux qui font un pèlerinage avec l'église de Martel ne vont pas plus loin. Oh ciel, quelle beauté! Si vous faites un pèlerinage, vous devriez vous inscrire à la visite des ruines d'Asgard à l'agence de Palma Costa. Vous êtes de mèche avec l'agence de voyage, hein? Oh la ferme, si vous n'avez pas d'argent, allez-vous-en d'ici! C'est une écriture très ancienne. Salut Liu! Tales of Luluphonia. Non, belle œil, jeune fille. Non, belle jeune fille, quel œil de lynx. Ça, c'est un objet que j'ai acheté à l'élu du mana. C'est un document écrit très rare qui raconte la légende de Spiritua. Je voulais me l'approprier depuis des années. Je suis sur le point d'abandonner l'idée que d'or puisse se céder. C'est un énorme coup de chance que l'élu elle-même ait voulu s'en séparer. Nous devons le prendre. Laissez-nous au moins y jeter un coup d'œil. Vous voulez rire, pourquoi devrais-je le montrer à vous? Oh, allez, Colette et Lily. Tais-toi. C'est nous qui allons être traités d'imposteurs. L'élément central de notre groupe. C'est elle qui est fan de l'élu. Elle souhaite voir les objets ayant appartenu à l'élu. Colette est une fervente adepte de l'église de Martel et elle connaît la langue des anges. Super l'excuse. Salut Winnie Pooh. Ah oui, c'est vrai, je l'apprends depuis que je suis toute petite. Eh bien, si c'est important pour vous, la jeune fille pure, la beauté, ils peuvent me consulter. Puisque tout au monde, je veux la statue de Spiritua exposée à la maison du salut. Si vous me la rapportez, je vous montrerai le livre. Quel avare. C'est comme ça que... Non, comme si ça vous coûtait quelque chose de nous le montrer tout simplement. Allez, boucle-la, allez jouer ailleurs, si vous n'avez rien à rendre la statue. Voilà, un personnage charmant. Horrible sur tous les points. Hein? Gros connard. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, vous ne savez pas? Ah, vous feriez mieux d'attendre ici un moment. Mais quoi qu'il arrive, vous devez éviter Palma Costa. Il se passe quelque chose à Palma Costa? Il semble que les gens sont en route vers Palma Costa. Quoi? En outre, j'ai entendu dire que le chef de la femme humaine voisine, Magnus, les accompagne. Magnus. Je vais attendre ici que les choses se calment. Oh là là, oui. Hein. Ah, vous devriez suspendre votre pérégrination un moment, vous aussi. Hein. Sacré des gens! S'ils viennent à Palma Costa, ils vont me le payer! Lloyd, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque j'ai quitté Icelia, j'ai juré que les déviants ne feraient plus de mal à personne. Si tu perds ton calme, tu ne prendras pas les bonnes décisions. Oh, ferme-la! Lloyd! Tes sentiments sont toujours honnêtes et purs! Ce n'est cependant pas une raison pour ignorer les conseils de tes amis. Eh oh, tu parles mieux à Kratos, hein? Non mais oh. Lloyd, je vais te botter le cul. Mais je... Putain, il m'en faut du temps pour dire mais je... On se fait du souci pour Palma Costa, mais on s'inquiète aussi pour toi. Je suis désolé, je n'aurais pas dû agir comme ça. Dis pardon à Kratos. À Kratos. C'est mieux comme ça, mais ce n'est pas auprès de moi qu'il faut t'en excuser. Allez! Dis pardon à Kratos. Kratos, j'ai eu tort, pardon. Ah bah quand même! Eh, donne-lui une baffe. Je n'en prends pas ombrage.
Il faut absolument aller à Palma Costa. On va agir rapidement, mais sûrement. D'accord. Ah, ça frime moins, hein? Non, mais oh! Je parle mieux à Kratos, moi, ou je te pète le cul. Comment? En le laissant mourir au combat. L'œil de réprimandé, l'œil de félicité. Eh, c'est quoi son problème à ce vieil avare? Mais, dis-moi! Qu'est-ce qu'il y a, professeur? J'aime bien la tête de Rain, elle est trop chou. Je n'arrive pas à croire que tu connaisses le mot avare! Professeur, et en plus tu l'as utilisé correctement, c'est très bien! Pas la peine d'en faire autant pour si peu! Mais c'est un miracle! Vous allez me faire rougir. C'était pas un compliment. Lloyd, il se moque de toi. Tais-toi, toi! Aïe! Mais frappe pas Dionys. Voilà, parce que du coup j'ai pas pu jeter un coup d'œil au chat pendant toutes ces scénettes. Vu qu'il collectionne les objets des élus. J'espère qu'il collectionne pas. Oh mais non! C'est dégueulasse! Il y a du coup c'est par là. Oh c'est dégueulasse! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse! T'aimes bien mes doublages, c'est rigolo. Ah bah tant mieux. Salut Haru, ça va? Elle double aussi vos anniversaires, vos mariages. Exactement. Ça tombe bien sur ton anniversaire aujourd'hui, tu peux avoir un doublage. Tu rigoles, c'est pas ton anniversaire. Oh merde! Est-ce que tu veux un doublage? Très bien, qu'est-ce que tu veux que je double? Attention, gros talent et pas du tout de fail incoming. Hein. En attendant, je remets bien mon plaid. Bah oui, mon plaid est mon meilleur ami. Mais il faut que je le replie correctement. Sinon, je lui manque de respect. C'est l'heure de la sieste avec mon stream. Ah, nice. C'est un bon plan. Attention, ça gueule parfois un petit peu. Pensez à régler le volume de votre PC. Que ce soit un Mac ou un PC, on s'en fout, c'est votre personal computer. Alors, vous faites pas chier. Mais pensez à régler le volume de votre PC afin que je ne vous crie pas dans vos oreilles et que je ne vous réveille pas. Et oui, RIP OMG Scouts. RIP, tu nous manqueras. C'est l'histoire de Twitch, des emotes arrivent, des emotes meurent. Allez, on y va à dos de Neusch parce que j'ai pas envie de combattre. Wouhou! Direction Palma Costa! Et sur le passage, la maison du salut. De Spiritua, oui, c'est bien elle. Toutefois, le prêtre n'est pas là en ce moment. Revenez plus tard. Ok. Tu veux que je double Ken dans Ken le survivant? Oh là là, je connais pas bien les répliques de Ken. Qu'est-ce qu'il dit, Ken? Donne-moi une phrase et je lui inventerai une voix parce que, en fait, je connais pas bien sa voix non plus. Je vais faire du blind doublage. Je double même mes sauvegardes. Yes! Eh oui! Et voilà! Vous avez vu tout le monde à dos de Neusch. Je sais juste que Ken il peut faire. Mais à part ça, je sais pas trop ce qu'il dit. Alors c'est un peu compliqué. Alors même si c'est pas la sauvegarde de fin, je double la sauvegarde, comme ça, incroyable. Palma Costa! On devrait éviter d'y aller. C'est pour ça qu'on y va! Oh! La musique des chants. Lord Magnus approaches. Oulala! C'est moi! Oh, je suis tellement vénère, j'ai les bras tout durs. Tout dur et tout raide. Comme mes bras.
Magnus Vermin. Il a les cheveux rouges. C'est la seule chose cool chez lui, c'est qu'il a les cheveux rouges. Mais il a l'air tellement coincé du cul quand il marche. C'est terrible. This woman defied the wishes of the great Lord Magnus and refused to provide us with supplies. Alors, c'est pas elle, c'est sa fille, hein. Déjà, vous êtes méchant. Therefore, while the designated death count has been exceeded, we have been granted orders to carry out this woman's execution. Damn it! Why isn't the city militia doing anything to stop this? Most of them are out on training exercises right now. The Desaians must have waited for this opportunity. Slimy jerks. Mom! C'est toi qui devrais être sur la potence, non mais oh. Stop right there, woman. If you interfere, we'll make you suffer in ways that will leave you begging for death. You think Governor General Dor will let you get away with this? Dor? Don't get your hopes up, woman. No! Petit caillou! You disgusting little vermin! Oh là là, c'était cro-démoniaque. Oh, il a l'air d'avoir tellement mal. Lloyd, stop. Do you want to turn the city into the next Isalia? Il a l'air d'avoir aussi mal que quelqu'un que vous bousculez dans la rue et qui dit oh, tu m'as cassé le bras. It's not the same. This city doesn't have a non-aggression treaty with the Desaians. How can we go on a quest to regenerate the world if we can't even save the people standing right in front of us? Eh, y a pas tort. Lloyd's right. I won't just stand here and let this happen. You! You're wanted criminal number 0074, Lloyd Irving. Ça va, y a pas beaucoup de criminels recherchés. Well now, so you're that boy with the X-Sphere. C'est ça, il a au moins pris 30 points de dégâts. Ouh là là. This is perfect. After I take that X-sphere from you, they'll make me the leader of the five grand cardinals. Get them. Non mais laissez-le charger son sort, hein, surtout. Laissez-le faire. Heureusement que Janice réagit. Amateurs. Damn it! You worthless idiots! Enough of this! I'll take care of this woman first. Oops. Oh, il a dit first. No! What the? Let us respect the wishes of the Chosen. The Chosen? She is the Chosen? The Chosen herself has come to save us? Do you all realize what you're doing? If you defy the Desaians, this city may be attacked just like Isalia. That's right. And I know full well what I'm doing. I won't repeat the same mistake again. I'll destroy them all. The entire ranch! Bye. Plus de ferme, plus d'ennemis, plus d'ennemis, plus d'attaques. Lloyd, that's insanity. Plus d'attaques, plus de palais. They're only after Colette and me anyway. And besides, we have the Chosen on our side, the savior who will regenerate the world. Right, Colette? T'en fais pas un peu trop. Yep. I'm going to fight for everyone's sake. Oh. Lady Colette, the great chosen of mana. I give up. You're all hopeless. But I'll help since I'd be worried about you otherwise. Professor Sage, thanks. Damned little. Enough of this crap! Oui, parce que pendant ce temps-là, hein, ils sont sagement restés là à écouter. Ils sont sympas, ces méchants. I'm leaving them to you. Get rid of them! Téléportation! Alors théoriquement parlant, on n'a même pas levé la main sur lui, il s'est bouffé l'attaque à distance, et c'est tout, hein. On n'a pas touché.
ce soit plus exact de tes propos. Je sais pas si ça mettra à jour le fouettard qu'on avait déjà avant, faudrait que je vérifie dans le livre ennemi. Thank you. De rien. Thank you so much for saving my mom. Ah bah alors, what I would have done if they'd murdered my mom as well. As well? My husband volunteered in Governor General Dor's army and was killed in a battle against the Desaians. And my mother was taken to the ranch. It was Grandma that originally founded our shop. We have to protect it. Not just for ourselves, but also for Grandma's sake. For when she returns. Alors à ce propos. That's also the reason why I work at the Church of Martell Travel Agency. To help support our item shop. But it's not like I believe in Martell or anything. Sugar, how can you say such a thing? I know. I know. I'm grateful for the Chosen. But Martell didn't protect Dad or Grandma. Even this time, it wasn't Martell, but the Chosen and her companions that saved Mom. Elle a pas tort. How can anyone believe in a goddess that sleeps while we suffer? I understand, but I still think Martell exists. You think? I'm sure of it. She exists inside you and me. Well, if the Chosen says so, then I'll at least try to believe. Ça va, pas trop difficile à convaincre. Anyway, I better get going soon. It's almost time for the next Asgard pilgrimage. Are there really people that want to go on a trip right after what just happened here? It's after events like this that both those with and without faith feel the need to go on a journey in search of salvation. That pretty much sums it up. Well then, thank you all very much. C'est quand tu veux, hein, Janice, que tu réalises que ce magasin s'appelle le magasin Marble, hein. Marble, comme la grand-mère. Et puisqu'il n'y a pas 375 personnages qui s'appellent Marble dans tout le jeu, hein. Ah, tu veux plus lui parler. Ah, tu veux plus lui... Ah, ça y est, je suis plus bloqué, en fait. J'étais bloqué. Alors, la fameuse noix, inventaire ennemi, fouettard, est-ce que ça s'est mis à jour du coup ou pas? Ouais, si, ça compte, même si effectivement ils ont des couleurs différentes, ça compte bien pour le même bonhomme, très bien. Du coup, ouais, effectivement, tout Sylvaran, et si je l'ai pas, donc il me manquera Ardalitrier et Fantassin, par contre, sorcier maléfique, c'est bon. Diable et des yeux. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Bah parce que c'est des méchants. Je suis contente qu'il ne soit rien arrivé à Cacao et aux gens du village. Enfin, de la ville plutôt. Vu la tournure de l'événement, vous ne croyez pas qu'ils vont à nouveau attaquer Palma Costa? Ouais, j'y ai pensé moi aussi. S'il se passe la même chose qu'à Izelia, je casse tout et je serai aussi à nouveau banni. Tu en avais pourtant conscience quand tu as secouru Cacao. Ça peut vous paraître égoïste, mais il faut qu'on se concentre sur la régénération. Est-ce que j'ai encore commis une erreur? Palma Costa dispose d'une milice. Même si nous n'étions pas battus, il se serait sûrement rebellé un jour ou l'autre. Peut-être que j'ai agi de façon irresponsable. Mais Chocolat, Cacao et tous les autres te sont reconnaissants, Lloyd. Et puis, si tu n'avais rien fait, eh bien, moi j'y serais allé. Colette? Merci!
Est-ce qu'elle propose quelque chose, elle? Non, elle reste bloquée sur ça. Genre, il y a des bouteilles et des bouteilles derrière elle, mais elle a rien d'autre. Hein. Ces imposteurs nous copient dans les moindres détails. Je suppose que ça doit être ça. Que ça doit être leur ignoble chef, Lloyd, pardon. Je suppose que ça doit être leur ignoble chef, Lloyd, ouais. C'est tout à fait lui! Et cette fille serait Colette. Par conséquent, la magicienne, c'est moi. Oups. Et alors, celui qui ressemble à un grand singe, c'est... Janice? Non, ça doit être Kratos! Ouah, et oh, l'autre, et oh. Hmm. Regarde comme il a l'air tout déçu! Elle a l'air tout déçu, genre mais non je suis pas un... mais non. Mais j'aime bien les groupes d'imposteurs, c'est comme dans Sayuki, qui est un truc que j'aime beaucoup. Il y a aussi des épisodes avec un groupe d'imposteurs et je trouve ça très rigolo. Et pareil, les imposteurs arrivent avant. Et donc, le vrai groupe se fait souvent traiter d'imposteur, alors que bon. Janice, qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller. Et du coup, ça donne lieu à des situations assez comiques. Ah, désolé. J'étais en train de repenser au fait que je devais entrer dans cette école et... Puis bon. C'est dommage. Tu voulais vraiment étudier, n'est-ce pas? Enfin, pas vrai. C'est pareil. Oui, mais ça va. Ce n'est pas donné à tout le monde de participer à la régénération du monde. Ah bah ça c'est sûr, hein. Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. De quoi tu parles? Lloyd et moi, on ne fait que vous suivre. Ne t'en fais pas pour nous. Merci, Janice. Je suis pas trop si... il n'a rien à l'œil à ce sujet, hein. D'accord. J'aime bien la tronche quand il est comme ça. Il s'en veut déjà assez pour ce qui s'est passé au village, alors je ne veux pas qu'il se sente responsable pour moi aussi. Je vais tout lui dire. Oui, je comprends. Hello, tu sais quoi? Je regarde, hein. Je vérifie qu'on soit bien bon. Très bien. Bon, voilà, c'est bon. La cuisine, le chou farci. Tiens, fini d'apprendre ça. Donc, si vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, eh bien, il y a la quête. Ah, il faut consulter le livre, donc il faut qu'on aille voir si, éventuellement, on peut maintenant récupérer à nouveau la statue dans la maison du salut, si le prêtre est revenu. Sinon, ça veut dire qu'il faudra faire autre chose. Oh, non, il va me foncer dessus! Ah! Oh, j'ai échappé! Oh, j'ai dodgé! J'ai dodgé! Je maîtrise le chien. Ah non! J'ai marché dans un blob! Mais je sais pas si j'ai marché dans la...
dans le blob avec le pied gauche ou le pied droit, pour savoir si ça porte bonheur ou pas. Ah, je suis bloqué dans le gazetteur. Et boum! Oh là là, tu fais de l'enchaînement, Kratos. Ne vous en faites pas, laissez-les moi. Oh là là, cette synchro. Ah, c'était beau. C'était beau. Non. Élu, vous tous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un message de Dor, il vous demande de suspendre le périph' de la régénération. De quoi s'agit-il? Le guide de l'appèlerinage de l'église de Martel a été kidnappé par les Désians. En apprenant ceci, Dor a décidé qu'il était temps d'unir toutes les forces de Palmacosta et de lancer une attaque contre la ferme humaine de Magnus que Magnus contrôle. Quel est le rapport? Nous souhaiterions que vous alliez porter le secours au guide enlevé parallèlement à l'attaque. Et qui est ce guide qui a été enlevé? Elle s'appelle Chocolat. Incroyable! Chocolat? Oh non! Élu, s'il vous plaît, aidez-nous! Lloyd, aidons-les! Ouais, ok! Oh, je le savais. Je savais que tu allais dire ça. Bien sûr, on ne peut pas l'abandonner! Merci! Annaëlle vous donnera des détails une fois à la ferme humaine. Voilà! Donc on ne va pas s'occuper de la statue tout de suite! Oh là 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 là! À la place, on va péter des fermes. Alors pour le coup, qui dit ferme humaine dit potentiel nouveaux ennemis, donc il me faut Rain pour les analyser correctement. Chocolat. Non, pas ça. Lloyd. Oui, c'est moi. Oui. On a déjà vécu ça auparavant. Enfin, on a déjà vécu ça avant. Il a l'air super à l'aise, hein. Alors, la ferme d'Isselia n'était pas la seule. Je ne veux plus voir de victimes comme Marble. Marble. Oui. Plus jamais de victime. Allons-y, Janice. Allons-y, Janice! Pardon, là il est super vénère. Allons-y, Janice! Ah hey, psst! Je suis là! Élu, attends! Nail, nous avons appris que Chocolat avait été enlevé. Oui, je voulais justement vous en parler. Allez, venez par ici. On dirait que les nouvelles ne sont pas bonnes. Eh oh, ça va, hein? Je voudrais que vous poursuiviez votre route et quittiez la région de Palmacosta. Sympa! Mais si nous partons, qu'adviendra-t-il de Chocolat? Oui, nous sommes censés agir de concert avec l'armée. De Palmacosta, pardon. Pour porter secours à Chocolat, non? Non, c'est... Alors, c'est un piège. Parmi les possibilités que nous avions, il semble que la pire soit devenue réalité. Ta-ta-ta-ta. Kratos, professeur, mais de quoi parlez-vous? Il était impensable que les Désians laissent une ville avec une armée. Oui, exactement. Choisir de ne pas écraser une rébellion signifie en réalité qu'elle ne représente pas de réel danger. On les laisse tranquilles, car ils n'ont pas vraiment de pouvoir, ou peut-être parce qu'ils peuvent s'avérer bénéfiques. C'est exactement ça.
Dor collabore avec les Déviants pour faire tomber l'élu dans un piège. Oh, pourquoi ferait-il une chose pareille? Il n'était pas comme ça avant. Il a toujours pensé au bien-être des habitants de la ville. Mais il y a 5 ans... il y a 5 ans, lorsque sa femme, Clara, est morte, il a juré de lutter contre les Déviants. Alors pourquoi? Je ne sais pas. De toute façon, entrer dans la ferme maintenant mettrait l'élu en danger. Laissez-moi m'occuper de Chocolat et poursuivez votre chemin. Essayez de régénérer le monde le plus vite possible. Effectivement. Il vaut mieux renoncer à faire quoi que ce soit ici et repartir pour la régénération du monde. Non! Je ne peux ignorer ce qui se passe ici! Colette a raison. Si nous laissons les choses telles qu'elles sont maintenant, Palma Costa risque d'être détruite, tout comme l'a été Celia. Tu ne penses pas la même chose, Lloyd? Ce que tu dis est vrai. Mais je crois néanmoins que Kratos a raison. Si on ne veut pas que des villes soient détruites, il faut éviter tout contact avec les Déviants. Non, ce n'est pas vrai! Régénérer le monde et sauver les gens qui souffrent devant nos yeux ne sont pas incompatibles. C'est ce que je crois. Si c'est ce que tu crois, Colette, alors nous n'avons pas le droit de t'empêcher d'agir. La seule personne qui a le droit de prendre des décisions sur ce périple, c'est toi, l'élu. Es-tu d'accord avec ça, Lloyd? C'était mon intention depuis le début, vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Je vais les détruire tous. Cependant... C'est d'accord. Colette dit que c'est ce qu'elle souhaite. Par conséquent, nous avons maintenant 2 possibilités. La première consiste à aller de l'avant et infiltrer la ferme pour sauver Chocolat et les autres prisonniers. Au train où vont les choses, si nous ne faisons rien pour détruire la ferme, il se produira un second Isselia. La deuxième option, c'est de confirmer les intentions de Dor. S'il a conçu un piège, c'est qu'il connaît parfaitement les plans de la ferme humaine. Allons le faire parler. Qu'allez-vous faire, Ador? Il ne vaut mieux pas demander. Les punitions de Reine sont terriblement douloureuses. Boum! Si on est logique, interroger Dor en premier est le plus sage. Qu'en penses-tu, Lloyd? Retournons à Palma Costa. Nous devons d'abord savoir ce qui... Nous devons savoir ce que Dor a à dire d'abord. Ouais! Mais il faudra aller sauver Chocolat dès que nous le pourrons. Elle doit se sentir seule et apeurée. Ah, ciel! Même Lloyd prend des décisions sensées de temps en temps. On dirait. Très bien. Alors, allons-y. Que dois-je... Rester ici. Nous allons mettre la pression sur votre chef. Il vaut mieux que vous ne voyez pas ça. Vous pouvez surveiller la ferme humaine d'ici. D'accord. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Hop! Hey Sparky! You're alive and kicking! Nice, nice. You've never played any of the Tales of series. This is gonna be a piece of you cake. Heard the rules. Yeah! They do are! I didn't play all the Tales of. But this one is really good. This one is very good, and I used to play it on the GameCube, and now it's on Steam as well. But for the stream, I just came back to the emulation, so I'm on the GameCube right now. But it's if you like JRPG, this one is pretty good. I play some good Tales of, and I play some that were that I find not so great. They were interesting, but I kinda just get bored. So, yeah! If one day you wanna try, you can... try either to emulate it, but this is really cool. Or to buy it on Steam, and yeah, it's on sale right now, on Steam, apparently, so it's pretty cool. Ça va, Xorm? Oui, coucou. But you kind of have to be used to the JRPG, because it's it might take some time to get used to the fighting system, but when it's done, it's pretty good. It's pretty good. You're pretty good. Je vais plutôt remettre Reign pour le combat à venir.
J'ai esquivé les bastons. Je suis bloqué dans le monsieur. On va faire le dodo. Ça change rien. Ok. Je fais des tests. Je re-sauvegarde. Oui, ça fait 2 minutes. Je sais. Yeah, of course. I hope good luck to your wallet when the Switch come out. Cause it's pretty soon. The Switch will be out pretty soon. And everybody will be ruined but for the good cause. And yeah. Good luck for your wallet. $300, yeah. Yeah, it's kind of the same price around the world, more or less, depends, but yeah, it's I think it's something around this price too in Europe. It might be something like 250 euro or 300, I don't really know the price. I'm not gonna be able to get it. It's too expensive for me, but one day, I'll get my Switch. Salut Blue Link, ça va? Et oui, c'est un trésor. Élu, mes amis, chocolat a été. Oui, nous avons entendu, pas de soucis, nous allons la sauver. Nous allons la sauver! Nous n'allons pas laisser les désirs s'en tirer. Merci, son sort est entre vos mains. Pitié, sauvez ma fille. T'inquiète, on va pas laisser comme ta grand-mère, enfin ta mère. Occupez-vous du magasin pendant le retour de chocolat. Oui, bah ça va, c'est déjà ce qu'elle fait. Élu, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Tu fais une promo? Non, même pas. On sauve ta fille et tu fais même pas des réductions pour le groupe de l'élu. Pff, radine. Si ça continue, je vais pas aller la sauver. Hein. Il n'y a personne ici. Je crois entendre des voix venant du sous-sol. Tu crois? Je n'entends rien. Il n'y a personne ici. On devrait aller voir au sous-sol. Ouais! Tu te trouves comment, Tales of Berseria? Alors attends, il faut que je google pour voir la gueule qu'il a parce que je connais pas Berseria. Quelle tronche il a? C'est qui les bonhommes? Ah oui, c'est celui qui va. C'est celui qui va sortir. Je crois que c'est celui qui va sortir, non, c'est ça? Ou qui est peut-être déjà sorti, je n'ai pas suivi. J'ai pas vu grand chose dessus, j'ai à peine suivi l'actualité, j'ai juste vu, bah, je crois que c'est l'héroïne, partout. Elle a l'air cool, mais bon, bah à part ça, j'en sais pas plus, j'ai pas du tout regardé de trailer, de machin, ni quoi que ce soit, donc je sais pas du tout ce que ça donne, mais il a l'air cool, hein. Je pense qu'il a l'air sympa. Il sort sur quoi? Il sort sur PC aussi ou c'est console seulement? Il est déjà sorti, d'accord, tu l'as, ok. Le stream parle de chocolat et tu manges du chocolat, coïncidence. peut-être. Peut-être que tu l'as fait exprès car la maman s'appelle Cacao et la fille s'appelle Chocolat. Peut-être que tu le savais déjà. Et que depuis le temps qu'on croise Chocolat, tu t'es dit « Hey, je vais manger un chocolat et après je vais demander est-ce que c'est une coïncidence ?» Alors je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Il est sur Steam. Ah, bah attends. Moi j'ai quoi sur Steam déjà? Ah bah oui, mes à jour de Steam. Non mais hop. Moi sur Steam j'ai... Veuillez patienter. Chargement en cours. Hop, ta gueule. Moi j'ai Tales of Symphonia, mais je le fais sur GameCube là maintenant. Et j'ai Tales of Zestria. Donc ouais, non, j'ai pas le Berseria. Berseria. Ah ouais! En tout cas, c'est sûr qu'il est joli, les images, les screenshots qui sont là, ils sont très jolis.
L'interface a l'air quelque peu différente. Stand aside! Ah non, pas la vidéo. Ajouter à la wishlist. Voilà, c'est dans ma wishlist maintenant. Voilà! Tales of Vesperia. Alors c'est pareil. Alors attends, Tales of Vesperia. C'est celui avec quel? Ah, c'est celui avec le toutou! Le toutou loup! Ouais, le loup! Il était sur 360 celui-ci, je sais pas s'il est disponible ailleurs, mais bon, vu que j'ai pas de Xbox et de PlayStation, à part la PlayStation Blue. J'avais commencé chez un pote celui-ci. Et j'aimais bien le loup, moi. Mais ouais, celui-là il était plutôt cool. J'avais fait que le début, je suis vraiment pas allé loin dedans. Mais il était vraiment sympa, j'aimais bien. J'aimais bien le perso principal, j'aimais bien son loup. Mais j'en connais pas plus. Mais il était très cool. Pour le peu que j'en ai fait, en tout cas, il avait l'air vraiment sympa. When will my wife, when will Clara return to her original form? Not yet. You still haven't paid us enough gold. You've been paying us less and less. This is the best I can do. The tolls, the municipal taxes, the offerings to the Church of Martell. There's nowhere left to squeeze more money from. Well, I suppose this'll do for today. I'm sure Lord Magnius will remove the demon seed depending on your next contribution. Father? Just a little while longer. Just a little more and Clara will be back to normal. I'll raise the fees on the pilgrimages and... What's the meaning of this? Oh, what's the matter? You look like you just saw a ghost. Lloyd, that's a really cliched line. Shut up, Genus. What are you doing here? Neil, where's Neil? I'm afraid Neil's not here. So, Neil betrayed me. What's wrong with your wife? Has she been taken hostage or something? Hostage? Don't make me laugh. If you want to see my wife... Ta-da! She's right here. Eh ouais. Je peux dire merci aux émus. Ah ouais, il y en a qui sont disponibles en émulation assez facilement, parce que bon... Émulateur de 360 et de la PS3, ça me paraît un peu gourmand. Oh, what's that monster? She's crying. She's crying out in pain. You mustn't call her a monster. You don't mean... That's right. This is what's become of my wife. So that's Oops. Why you told everyone she passed away. My father, the previous Governor General, was a fool. Because of his defiant stance against the Desaians, they killed him. Then planted the demon seed in my wife as a warning. If I cooperate with them, they will give me the medicine to save her. But that means you're betraying the people of this city. What do I care? We'll never escape the rule of the Desaians anyway. Colette will. The Chosen will save the world. The Chosen's journey of world regeneration is not absolute. Don't forget that the last one ended in failure. Besides, the people of this city are satisfied with my way. Oui, parce qu'ils savent pas ce que tu fais vraiment. They just don't know I'm working for the Desaians. Shut up. What do you mean, your way? I'm sorry about your wife. But think of all those people who believed in you, only to be sent off to the ranch. Any of them may have wound up just like your wife. Silence, boy! Stop acting like your justice is absolute. Where do you get off? Don't even start spewing the word justice! I hate that word! If you wanted to save your wife, you should have resigned your position as Governor General and searched for a cure, or help, or whatever! You're a worthless jerk who couldn't give up his social status even for his own wife. Lloyd, please stop! Not everyone's strong enough to stand up against the Desaians. Please stop this. Tout le monde n'est pas capable. Yeah.
Colette! What if we go and get the medicine you mentioned? Then you wouldn't have to side with the Desaians anymore. You forgive me for what I've done? It's not our place to forgive you. That's up to the people of this city. But I know Martell will forgive you. The goddess Martell is always within you, awaiting your own personal regeneration. Yeah, that's harsh. Within me? Within me? Absurd! Tranquille, la gamine. The goddess Martell would never lend her aid to an inferior human being. What are you doing? How could you do that to your own father? Hustle laugh. I am a servant of Pronima, leader of the five grand cardinals who rule over the Desaians. C'était pas une petite fille. I was merely assigned to observe the new human cultivation technique developed by Magnus. There's no way that a superior half-elf such as I could have a fool of a father like this. A fool of a father? Just look at him. He didn't even notice that his own daughter was dead because he was too busy chasing after medicine that doesn't exist in order to save his monster wife. Yes, she's a demon. Well, she's a half elf, but she more looks like a demon right now, yep. You. How could you? Let's go all out, please. C'est un retournement de situation. Here we go. So that's the weakness. Follow it up. Cross thrust. Oh, cette esquive accidentelle. You're pretty good. First aid. Lord Pronima. Bye bye. You picked the wrong guy to mess with. Mm-hmm. Monster free and let it kill you. Laissez-la faire, hein, surtout, hein, l'arrêtez pas. No, not again. Do I have to kill another innocent victim? Stop. Okay. Wait! Is Kilia safe? Kilia is... Don't worry. It seems your real daughter is fine. Lloyd? I see. You. Your name's Lloyd? Yeah. Professor Sage, please! Help him!
Please save Chocolat. That Chocolat. Poor girl. She was just used as a tool to lure you out. The passcode is 3341. Got it. And I know this is a selfish request, but if you somehow find a way to save my wife, please help her return to her human form. When my daughter comes back, I don't want her to be all alone. C'est joyeux, hein? Okay. I promise. Thank you. Let's get going. La 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 la. Kratos! How can you just say that? Settle down, Lloyd. What is it that we must do now? Rescue Chocolat, then defeat Magnius, the leader of this region. Exactly. Yeah, I know. You're right, I'm sorry. Let's go, Lloyd. Let's defeat the Desaians. My healing arts cannot even save one single life. Professor Sage, did you say something? No, it's nothing. Ouais, ouais, ouais. La petite musique légère qui reprend alors que c'est la catastrophe en bas, tout le monde est mort. Pourquoi as-tu menti, Ador? Je crois que j'ai eu pitié de lui. Je ne pouvais pas dire à quelqu'un qui agonisait que sa fille était morte, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je me demande s'il ne l'a pas réalisé quand même. Quoi? Mais pourquoi il m'aurait demandé alors? Parce que c'est un père, j'imagine? Un père. Tous les parents veulent le bien de leur enfant. Ah pardon. Tous les parents veulent le bien de leur enfant. Je me demande si mes parents étaient pareils. Oui, parce que héros orphelin, adopté par un nain, tout ça. Rappelons-le. So Sparky. You said you never played the Tales of before. Do you want a quick summary of what's happening? What's the goal of the game? Just something general, not going into the detail. Oui, pour une pauvre petite coccinelle. Rien à foutre. Et oui, c'est les 10 heures de jeu, effectivement, ils avaient passé tout à l'heure, mais comme il y avait eu plein de trucs à dire et faire, j'avais pas trop... réagi, mais oui, on a passé les 10 heures de jeu. Yves.
Nee. Il y avait un mur invisible qui me bloquait. Scandale! Ah oui, attendez. Il y avait ça. Alors, l'esprit noble qui vit par l'épée, ses attaques peuvent être qualifiées d'art. Wouhou! Force et défense et précise. Enfin, je perds en précision, mais je gagne en PV force défense. Moi, ça me bat. Même si la précision, c'est bien aussi. T'as toujours pas de titre, toi. Non. Et j'avais récupéré un truc de guérison. Brassée de soins. Génère 10% des PV max à chaque ennemi vaincu. Ça peut être cool. Pardon, pas beaucoup. Je vais laisser ça de côté pour l'instant, mais ça peut être cool. Bonjour, il est mort. Un très faux visage. J'imagine ce qui est arrivé à Dor. Mais Dor l'a bien dit. Il veut que nous sauvions Chocolat. Gouverneur général, je comprends. Je vous demande de m'emmener avec vous pour accomplir la dernière volonté du gouverneur général. Ok. Dans tous les cas, il faut que nous cherchions où utiliser la clé que Dor nous a confiée. De toute façon, même en supposant que nous puissions ouvrir la porte et entrer, je ne pense pas que nous soyons en mesure d'entrer et sortir à notre guise. Il faut que nous nous préparions correctement avant d'entrer dans le feu de l'action. Ah ça va, easy, t'inquiète. Je suis prête. Bonjour. Don't get too comfortable. Oh no! Inferior being! Don't get too comfortable. Ah ah. Alors, titre décerné à celui qui contrôle le flux de mana intelligemment. Augmente les PV et les PM. Je vais le laisser en intelligence quand même. C'est pertinent parce que cette voix, c'est la plus ou moins la même que Lloyd, on dirait. Donc en fait, à chaque fois, on dirait que c'est Lloyd qui dit « Lost to an inferior being ». C'est toujours un peu chelou. Oh là là, j'ai trop hacké le système. Lloyd, c'est trop un à-coup. Alors, si jamais je fuis un combat, l'ennemi restera là. Par exemple, la sentinelle qui était sur la map, on va dire, restera là. Elle sera, je crois, figée quelque temps, histoire que je puisse me barrer. Mais elle restera là, elle disparaîtra pas. Donc, autant l'affronter. Comme ça, on s'en débarrasse.
that? Bonjour. Don't get too comfortable. Je pense qu'on a à peu près tous les ennemis pour l'instant, je vais remettre un peu Colette après. First aid. Cette attaque. Donc là on a un chemin. Là on a un chemin et un garde. Oh ah, j'ai oublié de remettre Colette. Oh là là. Ces sorts de feu aussi tant que je suis hein, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à changer les sorts vu qu'il y en a appris de nouveaux. Il connaît pas encore le sort moyen de feu. Photon, ça va. Photon everywhere. Ah bah oui. Comme ça je me prends pas la tête. Peu importe la direction dans laquelle je fais l'attaque U, je suis sûr de pas rater Rain. Sa technique ultime, vous voulez pas rater une attaque, foutez photon partout. Dépêchons-nous de nous occuper de ça. Oui bah ça va, ça va. Ouais, je ne veux pas rester ici trop longtemps. T'as qu'à faire toi-même. Je suis d'accord. Se trouver à l'intérieur d'une installation d'Ezian n'est pas une expérience agréable. Ah bah ça c'est sûr, hein. Ouais, faisons vite. Ok, on y va. Si vous le dites. Remettre Colette donc, hein, ce serait bien quand même. Au bout d'un moment. Wouah ! Oui mais non, ta gueule, putain. Ah, j'aime pas ça. Alors veuillez m'excuser. Quelle était cette musique, vous vous demandez? C'est très simple. Cette musique, c'était la musique d'un site. Qui balance des musiques comme ça au pif parce que je voulais voir un truc pour les techniques. Merci de me balancer de la musique de merde alors que je cherchais simplement des techniques. Putain, je déteste ça. Bien te faire foutre parce que je voulais voir pour Colette. Mais non, je veux pas l'afficher en tant que membre du groupe. Oh là là. Et du coup, j'ai même plus envie. Je voulais voir que les attaques unissons avec Colette. Et je peux même pas le faire, tout simplement, dans mon coin. Non, parce que y a la musique de merde qui se lance. Ah, j'ai tout cassé. Pour changer un peu, donc. Par exemple, dans l'attaque U... Parce que bon, c'est vrai que je fais tout le temps estocade, enfin, croix, machin, chose, là, avec Kratos. Mais, si je fais lame de tigre et marteau Boeing, ça marche. Alors, pour faire lame de tigre, c'est vers le bas, et marteau Boeing, par contre, c'est vers le haut. Bah, du coup, je vais mettre chapardeur en haut, et marteau Boeing en bois. Voilà. Comme ça, si je fais vers le bas, ça peut peut-être marcher. Et est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai pas un truc entre Giannis et Kratos?
Et aussi la lame Boeing. Enfin, la lance Boeing, pardon. Mais j'ai pas les attaques qu'il faut pour ça. Est-ce qu'elle connaît... Ah, mais oui. Ah, mais il y a un truc sympa aussi. Il y a un truc sympa. Il y a anneau tourbillonnant et photon. Ça fait explosion photonique. Ça peut être rigolo. Ah, photon et tempête. Est-ce que j'ai tempête? Ah bah oui, tempête, je l'ai. C'est juste que je l'ai pas attribué sur ces endroits-là. Parce qu'on peut faire tempête photonique. C'est un peu cool. Faudrait que j'essaye la prochaine fois. Seulement, j'ai peur de laisser la page ouverte. Bon, de toute manière, j'ai coupé le son du navigateur. Donc comme ça, il n'y aura plus de surprise. Launch Indignation Faisceau Statue Statue Profit. Yeah. Ouais, ça c'est sûr que Indignation c'est un peu pété. C'est clair que Indignation c'est un peu beaucoup pété. Bon, je vais laisser ça. Donc ouais, il faut que je pense à tester vers le bas du coup. On va essayer ça.